J'espère que vous allez bien. Là, je m'en vais en ville avec ma maman. Fait que je sais pas si je vais vlogger, là, parce que d'habitude, je vlogue pas vraiment devant elle. Mais des fois, je fais des stories. Mais en tout cas, à suivre. Bon, fait que là, je suis dans le sous-sol. Puis, je voulais vous faire montrer mes petits achats. Donc, j'ai aussi reçu une commande. Fait que si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, de faire. J'en ai des moyennes. Ça, c'est la 16 moyenne. Puis, ceci, c'est. Puis, j'ai aussi la 16 plus petite. Mais c'est des petits. Ben, c'est pas mal la même 16. Un petit peu plus gros. Des petits. Pots de bagues comme ça. Que le monde écrit souvent la mariée ou bride tribe ou des choses comme ça. Là. Donc. Super cute, ça fait des beaux sacs cadeaux pour les mariés. Donc, je sors tout le temps des petites choses de mariage parce que je trouve que c'est bien, bien le fun. Donc, là, j'ai comme toutes sortes d'affaires pas mal random. Fait que je vous montre ça, puis il y a des choses qui sont pour la business, puis je vais vous montrer quand même. Donc, j'ai acheté de la laine. J'ai besoin de la laine quelques petites couleurs, comme ça. C'est vraiment random, j'ai pas acheté grand chose. Ensuite, je me suis acheté une bobby quand je suis allée au Giant Tiger. Au Dolorama d'Asie Berry. C'est constaté qu'il en reste juste deux. Mais ma mère en a mangé elle aussi. Ensuite, c'est ça, j'étais au Dolo parce que là, je voulais avoir des plugs de iPhone. Fait que c'est ça. J'ai ramassé plein parce que je suis tannée. Je suis toujours en train de les chercher et les promener. Fait que là, je me dis, garde. J'ai besoin d'une dans le salon, une sur Lilo, j'en ai déjà une dans la chambre, j'ai besoin d'une dans le Jeep. Tu sais, fait que, en tout cas, parce que je trouve qu'ils manquent vite. Là. Fait que c'est soit je les promène, je les perds ou qu'ils manquent. Après un bout, on dirait la connexion se fait plus. C'est comme s'ils veulent pas qu'on ajoute d'autres plugs que des plugs d'iPhone, mais en tout cas, vous savez. Puis aussi parce qu'elles sont faibles et brisons facilement. Fait que les renouvelle. Ensuite, j'ai acheté des petits blocs comme ça. Ils fonctionnent bien au Dolo. Ils sont 4,75. Ils ont quand même monté, mais deux cracks dessus. Ils fonctionnent bien. Celui-là, il est comme ça, puis c'est une 10 pieds. Ensuite, ceux-là sont 4,25. C'est une 3 pieds, puis il n'y en avait plus comme des le même modèle que je prends d'habitude, qui est comme ceux-là, mais des 3 pieds. Mais c'est ça. Je pensais que je vais l'essayer pareil parce que c'est la même marque. Mais ma main a acheté une puis elle fonctionnait pas. J'avais besoin des petites craies comme ça de couleur. Des petites craies de couleur. Des craies de tir. J'en ai déjà par exemple. Mais j'en avais besoin d'autres. Ensuite, j'avais dit l'audio que j'allais au Dolorama pour m'acheter une. Et j'espère que la heat pump vous dérange pas trop. Mais en tout cas. Je pourrais peut-être la fermer. Attendez une minute. Là, bon, je ne sais pas si la heat pump vous dérangeait, mais moi, elle me dérangeait. Ouf, puis là, je m'y élevais. J'ai tous les cheveux en statique. Là, OK. c'est ça. Fait que j'en ai acheté plusieurs. J'en ai acheté une rose. Ça viendra une dans mon Jeep. Une sur Lilo. Une dans le salon. En tout cas, fait que j'en ai acheté un autre de 10 pieds comme ça. Là, vous avez dit, on a dormi, mais ça cause que. À toutes les fois, je suis dans un différent char parce qu'on a trois véhicules. Et des fois, je suis dans le truc de la business aussi. Mais. Il m'en manque une. Je pensais que j'en avais acheté quatre, mais que. J'en avais deux de 10 pieds, une de 3 pieds, puis une qui était une USB-C. Mais là, je la vois pas. Fait que j'ai acheté un autre bloc comme ça. Si vous voyez mes hauls, souvent j'en ai déjà acheté avant. Hein. Souvent, mais je sais pas quoi je fais avec. Ce que dit, ça dure pas longtemps. Les pages. Ensuite, j'étais au Giant Tiger. C'est vraiment tout random, là. Les endroits. Mais j'étais au Giant Tiger. Puis il y avait des petites napkins comme ça. Puis je m'ai dit, ah, j'en ai vraiment aussi. Ma mère dit que parfois c'est fun pour faire pour les dégâts. Tu sais, ça sera pas comme genre pour s'essuyer la bouche, mais plus comme. En tout cas, c'était comme un spécial à vraiment pas cher.
Puis là, je me disais, ah, ben ça fera des belles petites napkins. Ou des fois, pour moi, j'ai des petits dégâts, vu qu'ils sont plus pleins. Parce que moi, vous savez, j'ai une passion napkin d'acheter des belles napkins tout le temps. Mais là, j'en ai plus. Puis là, j'avais ça dans les mains. J'étais comme, oh my god, c'est comme deux bières, change. Ensuite, j'ai acheté aussi chez Giant Tiger des petits sacs à mouchoirs comme ça, mettre dans les manteaux, des places de même. On dirait que c'est pas quelque chose que j'ai sous moi des Kleenex, puis c'est toujours pratique. Ensuite, ça ne sort pas. Je ne vais pas montrer les sous-vêtements, je pense pas. Merde, je suis déçue, là. Je suis comme... Oui, mon autre plug. En tout cas, c'est vraiment pas intéressant mon haul. Hein? J'ai acheté une bouteille d'eau. Je suis mangée au McDo. Je suis comme. T'as le vlog juste avant, je suis comme, mais là, faut que je mange moins de McDo, là, tu sais. Puis là, j'achète du chocolat et du McDo. En tout cas, fait que c'est ça. T'sais, vous voyez que je me prive pas tant. Ensuite, j'ai vu ça, puis je sais pas si. Oui, je vous ai montré mes nouvelles lunettes, mais c'est ça. Je me suis dit que j'allais acheter ça. C'était cute. Mais on dirait que la boîte est un petit peu ouverte, puis que quelqu'un a pris. Oh, not. Mais c'est des petites lingettes pour laver les lunettes. Puis des fois, c'est pratique rapido ou quand c'était pas à la maison. Peu importe. Fait que je vais mettre ça de mon sacoche. Ensuite, c'est ça. Je me suis pogné deux autres brassiers parce que l'autre jour, je les ai achetés. Mais j'hésitais en deux 16. Puis là, à ce que je les ai sous moi longtemps, je suis comme. Ah! Je vais te prendre l'autre 16. Donc, j'ai acheté tout ça petit. Puis je m'ai acheté des bobettes. Que j'ai pris au Walmart. Mais je ne les ferai pas montrer. Mais c'est ça. J'ai pogné ça au Giant Tiger. C'était 12$. J'avais besoin d'un arrosoir parce que la mienne, elle avait comme toute rouillée. Fait que là, il faut vraiment que je fasse attention pour enlever l'eau complète. L'eau coulait pas une belle couleur. J'étais comme, ouh, fait que là, c'est ça. C'est là je vais essayer de faire plus attention. Je l'ai acheté une de l'eau l'autre jour, mais il n'y en avait juste pas. Il y avait juste... en plastique, genre. C'était un éléphant en plastique avec la trompe de l'éléphant. J'étais comme, ok, là, ça, c'est un petit peu trop comme enfantin, tu sais. Fait que, en tout cas, j'ai pogné celle-là à 12$. Puis il y en avait d'autres, une autre place dans le Dollarama. Mais genre, j'en ai une. Puis tout de suite que tu penches un petit peu, l'eau sort par ici au lieu. Tu sais, elle est comme, on dirait qu'elle est plus décorative, là. Fait que, c'est ça, j'espère que celle-là va fonctionner. Mais c'est la même chose souvent, hein. Ça coule, mais le trou est quand même loin. Ça, je m'ai dit. Puis, chose est beau. Ça devrait bien fonctionner. L'autre était belle aussi, elle était gold. Quatre temps, là, ça, je vais faire, je vais la nettoyer. Puis, comme je la laisser juste en décoration, mais j'arroserai plus mes plantes avec, là, vu que. Elle est comme vraiment finie, là. En tout cas. Fait que c'est ça. C'est pas intéressant, hein? Mais c'est ça, c'est donc bien cute, hein? C'est beau! Puis il fallait aussi que j'allais à la poste parce que je suis allée chercher des boîtes pour envoyer les colis, des chandails. Là, j'ai les chandails en main. Fait qu'il me reste à décorer mes sweatshirts puis les envoyer par la poste. Puis j'ai aussi une autre commande à faire par la poste. Ou deux autres. Non, je pense que j'en ai deux autres. Fait que c'est ça. C'est le fun. C'est bien le fun qu'il y ait des gens qui me font confiance pour leur beau petit projet. Puis que c'est spécial, je trouve, quand que je les envoie. Là, je me dis, waouh, tu me choisis, moi. Tu sais, je trouve ça vraiment. En tout cas, ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment. Je suis tellement comme grateful là, depuis que j'ai commencé à faire ça. On dirait que c'est comme si je vis vraiment comme mon rêve. Je vis comme. Vraiment plus comme. Je sais pas. J'aime plus ma vie maintenant que genre quand que je faisais de la suppléance. T'sais. J'aimais ça, genre. C'était comme un autre mode de vie, mais comme. Tu sais, je le dis souvent, là, comme je le pose souvent des posts sur Instagram que je veux tellement pas redevenir un employé. Fait que c'est ça. J'espère que ma petite entreprise va fonctionner assez pour. Tu sais, je dis comme. C'est pas moi qui fais. Pas millionnaire avec ça, là. Je suis pas riche non plus, puis je suis pas. je fais pas beaucoup d'argent, là. Mais c'est ça. T'sais, avec l'entreprise André, ben, ça fait assez que je suis capable de rester à la maison pour vivre de ma passion, mais je suis vraiment, 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 vraiment chanceuse, là, t'sais.
Mais c'est ça, je suis tellement grateful comme de ma vie, genre, depuis que j'ai arrêté d'enseigner, puis que je fais ça, genre, je suis comme, je sais pas, je trouve ça spécial, je suis comme, on dirait que je comprends pas, genre, que les gens choisissent mes petites choses, je suis comme, oh my god, mais donc, enfin, en tout cas, je trouve ça vraiment, c'est vraiment spécial, ça me donne une frisson dans le dos à tous les fois que j'en parle, comme là, je suis comme, ouf. En tout cas, fait c'est ça, excusez, c'est mon élan, hein. Ça avait braillé. Ça m'émeut tellement parce que, je sais pas, je trouve ça spécial, genre que le monde est comme, je veux faire un cadeau à une personne que j'aime et je te choisis pour faire ce cadeau-là, je suis comme, wow, tu sais, puis que moi je suis capable, genre comme, tu sais, j'ai mon chum qui est, tu sais, il pourrait dire comme, mais là, Annick, tu sais, comme on pourrait faire plus d'argent si t'es retravaillé, là, tu sais, dans le fond, hein, mais c'est ça. Je suis heureuse, puis des fois, ben, être heureuse, ça passe par-dessus bien des choses. Fait que, c'est ça. On est contents les deux. Content, content! On est content d'être content. C'est ça, en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, ça vient aussi avec son lot de toutes sortes de choses. C'est vraiment compliqué d'avoir une entreprise. C'est pas... c'est pas... ah, c'est le fun, tu sais, je suis à la maison, puis je fais rien. C'est... fini jamais, André, là. En tout cas. Bon, ben, hey! Aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais on est le 24... j'allais vous dire décembre, on est le 24 janvier, et ça fait un mois que c'était le 24 décembre, la veille de Noël! Oh my God! Pouvez-vous croire? Ça a donc même passé vite. Puis, en parlant de ça, je me disais, justement, que demain, on est le 25, et je vais avoir ma tête de lit! Fait que j'ai super hâte. Fait que je ferai montrer ça quand je vais la voir. Mais c'est ça. Elle est noire, puis elle est comme capitonnée. C'est ça le mot. Et moi, je suis tellement pas bonne dans ces genres de termes là. Je suis comme, hein. En tout cas, elle est belle. Puis elle est simple, elle était pas trop chère. Et je l'ai pris chez Amazon. So, je vous ferai montrer ça. Probablement quand elle sera installée. Là. Ouais. Je vais ramasser ça. Puis je vais aller travailler un petit peu. Il est rendu comme 3h30, je dirais. Vu que j'ai mangé au McDo, ben, je pense pas que je vais vraiment faire à souper. André va bien se ramasser quelque chose. Moi, j'ai comme. Tu sais, je viens juste de finir mon lunch, comme 20 minutes passées. Mais c'est ça. Puis plus tard à soir, ben, je me ferai comme un. Je fais pas un céréal. Ouais. Bon, ben, c'est ça. On se reparle. Allô, j'espère que vous allez bien. On est rendu le lendemain. On est. Mercredi. Puis c'est ça. Comme vous savez, je mange toujours des bananes et il n'y en avait plus. Fait que je suis allée en chercher. Et je voulais aussi avoir des choses pour faire un bouilli de bœuf. Fait que. Un stew. Fait que j'ai acheté de la viande pour ça. Et j'ai comme passé les rangées pareil. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Donc l'autre fois, on avait vraiment aimé ça. Les petits pizzas, well, c'était comme la semaine passée. Fait que là, ils étaient encore en spécial. À 2 pour 9$. C'est pas tellement pas bon. En tout cas, fait qu'on a racheté ça. Je vais les mettre dans le freezer. Ensuite, j'ai commencé à utiliser mon air fryer hier. C'était ma première essai. J'ai fait des frites, ils étaient trop secs. J'ai fait des légumes, j'ai brûlé la première batch. J'ai fait la deuxième batch de légumes, ils étaient comme corrects. Fait que je suis vraiment en apprentissage. Puis là, c'est ça, là c'est bon des wings, so je me suis dit, je vais acheter une petite boîte de wings, juste pour essayer. Ensuite, le meilleur, c'est toujours lui que j'agite, des fraises, puis j'ai acheté deux avocados, ils étaient 1,99 chaque, donc voilà. J'ai pas oublié mes sacs, je suis bonne, hein? Ensuite, j'ai acheté un petit Southwest Ranch, une petite trempette comme ça pour les légumes. Des fois, ça me motive à manger des carottes parce que moi, les carottes, c'est pas mon, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'adore les légumes cuits, mais des légumes crus. Ça, j'ai oublié de vous dire comment ça va coûter, puis j'ai trouvé enfin mon reçu. Donc, c'était 202,30. J'allais là pour acheter des bananes et de la viande. Des légumes pour faire mon stew. J'ai un petit peu dépassé, mettons.
Mais c'est ça. Puis il y a des choses pas mal random. Vous allez voir. Mais j'avais plus de pain, j'avais plus de lait. Puis ça me prenait quelques petites choses quand même. Mais en tout cas, tout est cher. Tu sais, avant, tu regardais, tout était comme un peu en bas de 5$. Ça fait que tu te disais, mettons, j'achète 100$. Puis tout est un peu en bas de 5$. Je suis au moins, je vais avoir au moins 20 choses. Là, c'est non, c'est vraiment pas ça. Vraiment, vraiment pas. Que j'ai regardé qu'est-ce qu'il est le prix de la pizza. Tant qu'elle est lourde. C'était 2 pour 9, j'avais raison. Oui, je suis pas pire, 5,49 pour une ou 2 pour 9. Fait que là, je vais en prendre 2, je vois. Bon, fait que je continue. J'avais besoin des petites fèves, parce que moi, je mets plein des fèves dans mes bouillies. Puis là, il est 12h45, ça fait. Je sais pas si ça va avoir le temps. Peut-être que ça sera juste demain que je fais un bouilli. Ouais, c'est ça. Je ferai ça demain matin, puis je vais bouillir la journée. Je me parle seule. J'ai acheté ceci, j'ai vu ça, c'est la première fois, des brioches de carême extra raisin. Moi, j'adore tout ce qui est au raisin. Je sais pas pourquoi c'est écrit brioche de carême. Mystère. Mais c'est ça, parce qu'un carême, c'est pas genre quand est-ce que tu t'empêches de manger quelque chose que t'aimes. Carême. Le carême, là, comme à l'église. Non? En tout cas. C'est genre comme, ah, je mange pas de chocolat pendant le carême. En tout cas, ça a l'air bon. Je vous laisserai des nouvelles, mais moi, ça que je fais avec des choses comme ça, je les gèle. Ça va juste dans le toaster ou tu peux les manger comme ça. Les gels, puis je les mets direct dans le toaster, puis ça me fait des petits déjeuners, je trouve, quand que j'ai pas le temps, comme, tu sais, puis je trouve que sinon, on va les perdre, fait que, ça, ils sont déjà coupés en deux, fait que je vais quand même les séparer, là, faire sûr, puis des fois, c'est je vais manger un des deux morceaux, c'est quand même comme une bonne hamburger, en tout cas. Ensuite, j'ai de la misère à résister quand je vois ça. Ça aussi, j'ai de la misère à résister quand je vois ça. Fait que là, cette fois-ci, j'en ai acheté deux parce qu'à toutes les fois que je m'achète, André, il clenche tout. Là, je me dis, je vais acheter le salé ici. Donc, celui-là, c'est mes prêts. Moi, j'aime les barbecues en petits filets. Puis celui-là, ben, ils l'ont toujours souvent comme ça. Fromage salé. Ensuite, je me suis acheté des cantaloupe. Parce que moi, j'aime ça. Un fruit que j'aime. J'aimais pas ça avant. Ça, j'aime ça. Ça, j'ai acheté de la petite charcuterie pour en fin de semaine. Là. C'est tout le temps fun avec petit fromage, petit biscuit, des petites choses comme ça. Puis, j'ai acheté des carottes pour aller avec ça. Parce que j'essaye d'intégrer plus de légumes. Et j'ai encore des quelques petites tomates cerises et j'ai encore des cocombes de l'OFA. Fait que. Je checkerai vraiment peut-être qu'ils sont plus bons, mais en tout cas. Ensuite, comme vous savez, j'ai essayé mon air fryer. Fait que ça va des choses pour essayer dedans. Là, même si c'est comme pas vraiment santé. Puis j'avais vu Karine Robichaud avec ça ce matin dans ses déjeuners. Puis j'étais comme ça a l'air bon. Puis j'en ai acheté. Il y en avait comme une meilleure marque, là, mais c'était comment? Les no names ne sont pas chers! On va avec les no-names, c'était deux sacs pour 6 pièces et demi, je pense. En tout cas, c'était vraiment pas cher. Fait que j'ai acheté des petites patates en même temps, des petites patates rizolées. Oups, il y avait quelque chose dans le sac. Qu'est-ce qu'elle fait ça? Ah! Ok, ça, je vais vous montrer ça après. Ensuite, j'avais plus de pain, comme j'ai dit. So, du pain. C'était deux pour. Qu'est-ce que j'ai fait avec la facture? Ouais, on dirait que je suis pas bonne aujourd'hui. Bon. Fait que les petites brioches de carême là, que j'ai dit tantôt, ça, c'était 4,79. Ensuite, les pains Country Harvest étaient 2 pour 7$. Fait que j'ai pris un flaxseed des quinoa. Puis l'autre, c'est Everything. Ça goûte comme les Everything Bagels, genre, c'est bon.
Ensuite, les petites patates étaient 2 sacs pour 6 $. Même pas 6 $, hey, c'est bon. Les œufs. Le fromage était vraiment, vraiment cher. Fait que j'ai acheté du no-name. Il est moins bon, il est plus sec, je trouve. Mais il était à un prix un petit peu plus raisonnable parce que c'était un bloc de ce size-là pour 9 $. Ou... Puis il y en avait une autre sorte qui était 8 et quelque chose. J'étais comme wow. Fait que j'ai acheté celui-ci qui était 2 pour 10. Je me dis, c'est pas grave. Je vais en geler un. Puis je vais probablement en râper. C'est moins pire, mais c'est vrai qu'il est moins bon comme à la. Mais des fois, t'es chanceuse, puis tu pognes comme une batch qui goûte un petit peu plus tendre, mais bon. Ensuite, le riz était en spécial à 3 pour... Je me souviens pas, puis je me souviens que j'avais déjà acheté du riz l'autre jour, du riz 10 minutes, mais j'aime quand même avoir du riz 2 minutes qui va au micro-ondes quand on est super pressé. Fait que c'était 3 puis 9 et quelque chose. J'avais plus d'oignons, fait que j'ai acheté des oignons. Du lait. Une autre chose que je voulais essayer dans le air fryer, juste des doigts de poulet. J'ai acheté ça aussi, un petit sac comme ça, c'est ça que j'allais chercher. Puis je mets ça dans mon slow cooker avec des cubes de bœuf. Ensuite, j'ai acheté des bananes parce que c'est bon et aussi parce que ma chum a fait toujours des petites pizzas comme ça dans le air fryer. Puis j'étais comme, ça... des petites choses pour mettre dans la pizza. J'ai aussi acheté comme la petite viande comme ça là, pour faire des sandwichs. Du pain aux bananes. Parce que moi, cuisiner, c'est pas ma tasse de thé. Ensuite, oh, une petite chose que j'ai achetée aussi, si jamais vous allez et que vous faites un jardin, c'est le temps d'acheter des fèves jaunes. Sinon, il n'y en aura plus. Comme quand ce qu'ils sortent, là, le monde les achète parce que c'est ça que comme les préférés. Le reste, il y en a tout le temps, mais les fèves jaunes, il n'y en a jamais. Fait que si tu les pognes pas tout de suite, tu vas avoir de la misère. Fait que bonne chance. Ensuite, de la petite sauce pizza, comme ça. Puis j'avais aussi des pains sous-marins. André aime bien ça. Et je me suis acheté une petite gâterie parce que vous savez que j'adore manger des biscuits. Fait que c'est ça. Biscuits, c'est la vie. Les cubes de bœuf. En tout cas, désolée, c'était comme un petit peu plus slow. On dirait que je suis mêlée aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'ai commencé à dormir sur le sofa. Là. Ça a dit, ben voyons, tu dors plus avec André. C'est parce que là, je peux pas dormir. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis trop comme setée à dormir tard. Là, c'est trop extrême. Puis je m'aperçois que quand est-ce que je me couche sur le sofa, genre, je tombe à dormir tout de suite. So, ça, je fais, j'essaie de faire une de mes parties de ma nuit, genre, sur le sofa. Fait que c'est soit que je me couche le soir, puis comme là, si je vois que je peux pas dormir, je vais me lever, puis je vais sur le sofa. Puis là, je tombe endormie comme genre, comme je vous dis, hein, 2 minutes après, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Puis c'est pas parce que mon lit est pas confortable, là, comme j'avais un matelas, il était confortable, mais j'avais mal au dos, je l'ai changé, là, j'ai un nouveau matelas, il est confortable. Mais... C'est vraiment une question de vibe. C'est comme si, je sais pas, je suis dans le sofa, puis c'est comme, pouf, ça m'endort, parce que c'est comme si c'est, je suis pas supposée dormir là. Ça fait, tu sais, vu que je suis pas supposée dormir, je dors. Tandis que dans le lit, genre, je suis comme, faut que je dors. En tout cas, puis il y a rien qui m'énerve plus que André qui ronfle, genre, puis qui dort solide à côté, puis je suis comme... Comment chanceux! Ensuite, tu t'es endormi vite de même. Et c'est ça. Donc là, ça fait 2 jours que je fais ça, puis ça mange vraiment bien. Il y a une nuit, je pouvais pas dormir. J'ai juste dormi comme 2-3 heures, c'est ça. Après ça, je me lève, je vais me coucher dans la chambre, puis je suis correct. Je suis réussie à tomber endormi. J'ai comme plus une bulle de dormir, je sais pas, en tout cas. Cette nuit, j'ai dormi jusqu'à 5h30 du matin. C'est ça. Puis je sais que c'est pas bon pour mon dos, mais ça qui est bizarre, c'est que là, ça fait 2 jours. Que j'ai pas mal au dos. Fait que là, je suis comme, voyons, mon lit, il est nul, là, puis il est confortable, il est correct. Là. Puis il est supposé être bon pour mon dos, mais c'est comme si que dans le sofa, genre, je cale comme vraiment comme dans la forme de mon corps.
ou je sais pas, vu que c'est juste comme un sommeil temporaire, puis que là, après ça, je vais dormir comme à une autre place, comme genre le fait de comme me lever, genre dans le milieu de mon sommeil, mettons, là, ça fait que j'ai moins mal au dos le matin. Ça, ça me saute, puis ça, je suis bien contente de ça, fait que... J'ai fait une demi-sommeil là, puis là, il m'a dit de sommeil dans mon lit cette nuit. Puis, je sais pas, en tout cas, je vais faire ça pour un petit bout. Des fois, ça comme après ça, ça set de nouveau, genre, comme là, on dirait, je m'aperçois qu'en faisant ça, je suis capable de tomber endormi plus tôt. Fait que peut-être que je serai capable éventuellement de dormir plus tôt, parce que là, moi, être dans la chambre à 3 heures du matin, 2 yeux grands ouverts, je suis comme... Je viens comme, je pouffe, là, je suis comme... Quand je dors pas... Puis comme je prends la mélatonine, là, là, vous n'avez pas besoin de donner de trucs pour dormir, là, comme j'ai tout essayé. Mais c'est ça, je suis comme ça. J'aime la nuit, j'aime me coucher tard, mais des fois, c'est que je veux travailler tôt, puis là, ça me saute plus. Là, je suis comme, ça me tente plus d'être 7 ans couché tard, je vais me coucher de bonheur. En tout cas, fait que c'est ça. Vous savez, il n'y a pas de routine, ici. Je l'ai dit dans l'autre, dans mon autre... Ouais, hein, dans mon autre vidéo. Puis c'est ça. Fait que là, je vais ramasser ça parce qu'il faut toujours travailler. Il arrive à 1 h, je vais me faire un petit dîner avec quelque chose que là-dedans qui est rapidose. Et je vous garantis que ça va en faire partie. Fait que je pense que je vais genre. Tu sais, c'est pour ça là, que je mange pas bien. Je vais manger le nacho, puis là, je vais comme. Pain aux bananes. Je vais être obligée de manger un pain aux bananes, j'ai obligé de manger un biscuit. Là. C'est sûr, ça c'est garanti. Je mange ça pour mon dîner. Et c'est ça. Peut-être que j'accompagnerai ça de petites carottes. Non, ça mixe pas en deux ensemble. Et c'est ça, ouais, je vais former le vlog, je pense, parce que là, ça fait 15 minutes que je parle. Plus la vidéo, les segments de hier, fait que je pense que ça va être assez long. Puis là, j'ai comme moins mal au dos, fait que peut-être que bientôt, il y aura un prochain decluttering, declutter avec moi, fait que c'est ça. En tout cas, stay tuned, je peux pas rien garantir, ça dépend vraiment de ma swing, mais aussi de mon dos. C'est ça. On s'en jase. À la prochaine. Si jamais t'es pas déjà abonné, ça me ferait super plaisir que tu serais partie de notre petite communauté. On est presque 400. Donc, tu appuies sur le petit bouton s'abonner là, qui est en bas là, ici là, du vidéo. Ensuite, si jamais tu étais là, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Ça m'encourage puis ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent. Ensuite, si jamais tu as envie de jaser, il y a des commentaires en dessous. Tu peux, puis si tu as des questions, puis éventuellement, on pourrait même faire un Q&A. Vous vous souvenez que dans le temps de Noël, j'avais une liste, là. Mais je l'ai encore, là, quelque part, cette liste-là. Fait que, c'est ça, si jamais vous avez des questions, vous pouvez rajouter ça, puis éventuellement, je vais faire un Q&A. J'ai aussi deux vidéos que je veux filmer bientôt. Donc, celui de décoration et celui d'une journée typique de travail, là. Je vais essayer celle-là. Je suis pas certaine que je vais pouvoir. Puis c'est ça, éventuellement, un declutter avec moi. Puis je pense que vous avez bien aimé ça, la jasette du lundi soir. Ça fait que je pense que peut-être que je vais essayer de faire comme des vidéos assis un petit peu plus souvent. Je sais pas, des updates ou des Q&A ou des folleries. En tout cas, fait que ça... Puis c'était le fun parce que ben, j'ai édité un petit peu, mais on... tu sais, ce serait le fun que ça soit juste comme une vidéo straight que j'édite pas, là, tu sais, qui est juste. Je vous parle, par exemple, si je suis comme en live, mais c'est une vidéo. Fait que sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Merci d'avoir été là.